Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver. Pour l'instant, on va devoir travailler à distance et ce que je vous propose, c'est de commencer une nouvelle chanson qui s'appelle Monsieur Lippo. C'est la première étape de l'histoire de notre hippopotame. D'accord? Nous allons maintenant la travailler comme si on était en cours. Je chante un petit bout, vous répétez. Je chante un petit bout, vous répétez. Et comme ça, on arrivera à mettre en place la chanson. D'accord? Écoutez bien, soyez bien attentifs. Ne forcez pas sur votre voix. D'accord? Et gardez le sourire parce que c'est une histoire rigolote. Le début, ça fait ça. Monsieur Lippo. Facile, 3. Et Monsieur Lippo, très bien, s'en allait à la pêche, s'en allait à la pêche. Oui, articulez pour qu'on comprenne bien, parce que s'en allait à la pêche, nous coupons. Monsieur Lippo, s'en allait à la pêche. On y va, 3. Et Monsieur Lippo s'en allait à la pêche. Bien. Et qu'est-ce qui va pêcher à la pêche? Des petits poissons. Et donc du coup, on répète à la pêche. À la pêche aux petits poissons. Je vous le refais. À la pêche aux petits poissons. On y va ensemble, 3. Et à la pêche aux petits poissons. Pas mal. Depuis le début, vous vous souvenez? Je le fais une fois, écoutez bien. Et ensuite, on chante ensemble. Monsieur Lippo s'en allait à la pêche. À la pêche aux petits poissons. On y va ensemble? 3, 4. Et Monsieur Lippo s'en allait à la pêche, à la pêche aux petits poissons. Oui, pas mal. Cette phrase-là, on l'a fait deux fois d'affilée. On y va? Normalement, c'est un peu plus rapide. Hein. On essaye à la bonne vitesse, au bon tempo, et deux fois d'affilée. Tenez-vous prêts, le sourire, on y va? 3. Et Monsieur Lippo s'en allait à la pêche, à la pêche aux petits poissons. Monsieur Lippo s'en allait à la pêche, à la pêche aux petits poissons. Oui, bien. Et ensuite, il faut raconter la suite de l'histoire, sinon c'est un petit peu court. Alors, ça fait ça. Pour en attraper, à vous. Pour en attraper. Oui, c'est bien. Ensuite, il avait emmené. Ce sont les mêmes notes, mais il avait emmené. Il avait emmené. Oui. Donc ça fait pour en attraper. Il avait emmené. On y va? 3. Et pour en attraper. Il avait emmené. Bien. Et qu'est-ce qu'il emmène à la pêche aux petits poissons, cet hippopotame? Il amène une épuisette en chiffon. Imaginez, il a bricolé une épuisette avec des chiffons. Une épuisette, vous savez, c'est un filet autour d'une, au bout d'une grande perche pour ramasser les poissons et les petits crabes et les crevettes dans les marceaux. D'accord? Vous voyez? Une épuisette en chiffon. Et un mirliton. Un mirliton, c'est un drôle d'instrument de musique. Je vous mettrai un extrait vidéo sur le blog, vous regarderez. C'est hyper rigolo, un mirliton. Donc, une épuisette en chiffon. Je vous le refais. Une épuisette en chiffon. 3,
phrase en entier, ça fait ça. Que les puits est en chiffon et en mirliton. On y va, 3 et. Que les puits est en chiffon et en mirliton. Et après, on répète cette phrase presque à l'identique. Attention, seulement la fin change, écoutez bien. Que les puits est en chiffon et en mirliton. On essaye, 3 et. Une épuise est en chiffon et en mirliton. Oui, juste la fin. Et en mirliton. À vous. Et en mirliton. Pas mal. On va se refaire la deuxième partie, hein. Un petit peu. Souvenez-vous. Pour en attraper, il avait emmené. À vous. Ensuite, à moi. Une épuise est en chiffon et en mirliton. À vous. Une épuise est en chiffon et en mirliton. À moi. Une épuise est en chiffon et en mirliton. À vous. Une épuise est en chiffon. Ok. Est-ce que vous vous souvenez du début? Ah, au début, Monsieur Lippo, ça vous revient? Monsieur Lippo s'en allait à la pêche, oui, c'est ça. Ok. Je vous fais toute la première partie. Je vous fais toute la première partie et vous répétez après. Ok, écoutez bien. C'est deux fois la phrase. Monsieur Lippo s'en allait à la pêche. Facile. À vous, avec le sourire. 3 et Monsieur Lippo s'en allait à la pêche. À la pêche au petit poisson. Encore. Monsieur Lippo s'en allait à la pêche. À la pêche au petit poisson. Pas mal. Et la deuxième partie, je vous la refais. Pour en attraper. Maintenant, on essaye la chanson en entier sans s'arrêter. Vous êtes prêts? Souvenez-vous, Monsieur Lippo s'en allait à la pêche au petit poisson. Pour en attraper, il en avait emmené une épuisée en chiffon et un mirliton. Articulez bien, parce que là, moi, je viens de parler très vite et c'était pas bien articulé. On n'a rien compris, mais rien du tout. Faites mieux que moi. Monsieur Lippo. Allez, bonne humeur, sourire. On y va. 3 et. Monsieur Lippo s'en allait à